Tout le temps béni bon Dieu pour ce qui est peu importe ce qui te capable faire face et vraiment moi encourage toi pour tout simplement faire bon Dieu confiance dans cette situation. Alors jeunesse moi tout simplement partage un petit vidéo un petit son avec toi, un petit son de la parole. La Bible dit la foi vient de ce qu'on écoute et de ce qu'on écoute vient de la parole de Dieu. Amen. Et le thème de ce message là, c'est qu'il a ce mot capable de rendre une relation amoureuse. Comme je connais aujourd'hui de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui peuvent poser cette question là en tant que chrétien, beaucoup de jeunes qui peuvent poser cette question là. Comment est capable de rendre une relation amoureuse? Et aujourd'hui, NGM Radio est là pour tout simplement pour répondre à cette question là. Et pour moi-même, le pasteur David,
Alors, moi, tout simplement, les encourage Zen pour comprendre quand les bizarres rentrent là-dedans, qui moment, et beaucoup de personnes peuvent demander qui là se passe mon capable de compte. Ok? Alors, il n'y a pas une question trop bloquée, mais il y a une question qui simplement nous besoin bah, sur la parole. Alors, moi, invite simplement pour écouter ça et ce message-là, afin qu'il soit capable d'être béni au nom de Jésus. Conseil aux jeunes avec le pasteur David Marie. C'est un programme qui répond à toutes tes questions. Subscribe-toi, abonne-toi pour une vidéo qui fait vivre. Que bon Dieu te bénisse toi abondamment. Here we go. Hey Manzen, je crois que vraiment et je bien là quand je t'ai dit. Question qui nous fait recevoir aujourd'hui, c'est qui l'âge nous capable et n'a et une copine ou un copain. Ok, qui l'a. Laisse-moi te donner une affaire qui, pour qu'il soit capable, engage-toi dans une relation. La réponse à cette question-là, il faut dire que tu as la maturité dans toute la vie. Comprends-moi bien, il faut dire que tu as la maturité et pour qu'il soit capable, engage-toi dans une relation. Aujourd'hui, tu retrouves tout qui te chose des contraires, hein? Tu retrouves tout qui te chose abnormal, tu retrouves un enfant 11 ans. Le bébé est content, un petit fille, etc. Laisse-moi te donner une affaire. Dans l'enfance, dans l'adolescence, on va dire, quand on quitte l'enfance pour le rendre à l'adolescence, vu qu'il nous bat hormones, voilà comment le cas de ça crie, nous bat hormones, bébé, changer, etc. Alors qu'il vraiment, ça peut jouer nous un détour dans l'ego, dans l'émotion, dans le sentiment et dans la façon qu'il nous peut trouver quelqu'un, bien sûr. Quand on retrouve une personne de l'autre sexe qui est à côté avec nous, des fois, on a un sentiment pour créer. Mais laisse-moi te donner une réponse qui la façon et la réponse à sa question-là, c'est quand Dieu arrive à un moment mature. Et il n'est pas capable vraiment d'engager avec quelqu'un sans un moment mature et commettre une manipulation dans l'immaturité. Par exemple, et quand tu condamnes du monde vraiment, et vu qu'il devait grandir, tu as une tendance de l'ego, une tendance vraiment pour la sexualité. Voilà la raison. Pas quoi qu'un enfant 11 ans qui est vraiment pour envie de la sexualité et qui vraiment est l'autre sexe vraiment pour enfant qu'un enfant de lui. Alors, on encourage-toi pour qu'il ait un sens de maturité avant qu'il soit capable d'entendre, avant qu'il soit capable de rendre une relation amoureuse avec un personne. Père pour toi qu'une jeune fille, père pour toi qu'un jeune homme. Alors réfléchis donc, est-ce qu'il m'a dans la maturité? Est-ce qu'il m'a dans la maturité? Je connais, et pour un qui est capable d'entendre un qui se premièrement au niveau sur l'étude, est-ce qu'il te trouve toi et on est intéressé avec de l'étude, et a une vision pour de l'avenir, il a une pensée énorme, il a une pensée à un jour mon coup de travail, un jour mon vie fonder une famille. Alors pose-toi cette même question, est-ce qu'il tu as ce type de pensée là dans ta vie? Je connais combien de personnes les commandes et je prends des papiers, je colle ensemble. Alors au moment qu'il te déchire ça, des papiers là, au moment de séparation qui est arrivé, il y a une trace qui est restée dans tous les côtés papiers. Alors moi, encourage ton jeune, fais bien attention avant qu'il te entame, avant qu'il te rentre dans une relation avec une personne. Dès le jour où beaucoup de choses, beaucoup de gaffes arrivent qui fait parce qu'il me trouve et déjeune, il fait content après que tu es séparé et n'a fini. Amène-lui à suicider et n'a fait l'amène-lui et pour couper je te l'amène, pour faire la mort de je te l'amène, pour mordir les yeux, et n'a même fini d'être abusé sexuellement. Alors, moi, encourage-toi, c'est pour faire bien attention. Est-ce qu'il te trouve ta mature pour sa relation? Est-ce qu'il te trouve toi et dans la capacité pour gérer ma quitteuse, pour gérer même à la maison la façon qu'il lui est? Alors, réfléchis des fois avant qu'il te rende une relation, tu me sais être mature. Ok, arrêtez le monde. Bon, ici, mon bébé, selon la chrétienté, arrêtez le monde. Mon rédivé de la Bible, pas qu'il y a copain, copine, non. Qu'il y a homme et femme. Ok, je trouve qu'il Dieu même, quand il fait une amène Ève envers Adam, ok, il fait trouve Adam responsable. Il fait trouve Adam et une maturité pour les capables de Adam et sur Ève. Capable de aussi de Bertrand, de Rebecca, de Bertrand, de Isaac, de Bertrand, de Joseph, de Bertrand, de David. Alors, laisse-moi une affaire. Attends-toi pour une stature et mature pour qu'il soit capable de prendre des relations. C'est tellement important.
tu n'as pas même toi vraiment à un autre niveau. Réfléchis bien. Si tu es pour toi, en gros, l'école, on conseille toi apprendre. Ok, apprendre avant qu'il t'envoie une révélation. Apprendre avant qu'il te donne les gains. Dis-moi, la Bible dit comme ça. Pas rêver l'amour avant ce lait. Et n'est le temps pour l'amour, et n'est le temps pour apprendre, et n'est le temps pour travail, et n'est le temps pour mourir, même et n'est le temps pour mourir. Alors, mon Dieu, encourage toi, c'est l'esprit. Vous connaissez là des anciens bien garçons qui fait aussi. Mais il y a une certaine vérité. Non, les vrais, mon fils passe fort là. Beaucoup de fois, dans mon avis, mon fils réveille l'amour avant ce lait, mon fils souffert. Et moi, je connais, moi, c'est une personne tellement sentimentale. Moi, c'est une personne tellement péreux de l'amour qui fait parce que mon parent passe là. Et pas de pas possibilité pour le moment. Alors qu'il me fait faire, une route avec ma copine. Quand après cela, mon Dieu, fait une cause avec moi, mon avis, atteint. Et vraiment, mon fils prend environ 2 ans à 3 ans pour m'atteindre la personne. Et vraiment, mon Dieu, fait vraiment cadeau, une merveilleuse épouse. Mais moi, les encourage le bazin pour atteindre le moment de Dieu pour cette mariage. Mon père de Dieu est large, mon père de Dieu ni 25 ans, ni 30 ans, non. Et là, mon jeune, très jeune, mais je tiens une maturité énorme. Mon père d'exemple, moi, mon fils marié à l'âge de 20 ans, mais simplement qui me tient une maturité énorme. Alors, je l'ai encouragé, mon jeune, pour être capable de maturer. Pas simplement dire je t'aime, tu m'aimes. Et je vais gaspiller l'argent de mes parents quand je vais rendre ma relation comme ça. Je vais gaspiller mon propre argent. Alors, je l'ai encouragé pour une maturité pour être capable de rendre une relation amoureuse avec une personne qui vont dire mais ça ce que Dieu fait de nous c'est les jeunes, la famille, la restauration et rapprochement de Christ. Moi encourage toi aujourd'hui avec simplement un seul clic pour abonner toi et pour subscribe à nos chaînes YouTube. Dieu a envie qu'il te commande un like. Dieu a envie qu'il te prenne en vol en Jésus Christ. Alors pas oublier avant que la fin de sa vidéo là, abonne-toi à notre chaîne YouTube. Capable de ne pas te connaître comment faire cela, mais laisse-moi expliquer toi. New Generation Ministries David Marie. C'est simple, pas oublier, abonne-toi et subscribe toi afin que chaque vidéo qui nous upload, capable de bénir toi, bénir ta famille, bénir tes enfants, bénir tes générations. Vraiment les bien courtes et environ 7 minutes mais simplement les bien et c'est un bon repas. Amen. Alors mon débonjour la côte de tété bonjour s'il vous plaît portez cela et c'est un nouveau programme qui Dieu finit à accorder nous pour qu'il nous capable portez la parole de Dieu portez bonne prédication bonne exhortation avec Dieu afin que vraiment je reste toujours connecté avec la présence de Dieu. OK, alors tout simplement avant qu'il nous termine et mollet dis-toi et reste connecté avec la présence de Dieu, reste vraiment et tout le temps garde la joie de Dieu dans tous les cas. Beaucoup de jeunes de nos jours à cause je te connais je te besoin attendre je te conjoint attendre la personne qui besoin qui je te fais je garde une tristesse mais laisse-moi annoncer une affaire qui bon Dieu et le Saint-Esprit dit là pour donner toi la joie pour te capable vivre. OK, c'était un man qui tout le temps fait mettre moi en détresse mon pensée qui pour attendre la personne moi besoin vivre la vie célibataire malheureux. Non, jamais. Prends tous les temps, servis dans l'église, servis dans worship team, servis dans toute l'église que tu étais, à l'évangéliser, partage la parole. N'a pas laissé le diable mettre bonne pensée négative dans toute la tête, parce qu'il y a une mentir. Amen. Il est là pour une telle frustration. Il est là pour montrer toi, ah, les yeux, tu es content, mais toi, tu n'es pas content. Non. La vie célibataire, c'est un cadeau de Dieu. OK, la vie célibataire, c'est une préparation pour la gloire de Dieu. Alors, tout simplement, je voulais encourager ton jeune pour rester focus. OK, à personne ne peut venir, ton conjoint ne peut venir, mais tout simplement, attendre le moment de Dieu pour qu'il soit capable de vivre la vie de Dieu au nom de Jésus. Chers et bien-aimés, je voulais les autres qui bonjour les bénissent abondamment. S'il vous plaît, portez ça audio-là, même ceux qui l'ont YouTube, même ceux qui l'ont Facebook. Portage cela maximum possible. C'est très simple, je te rentre dans l'application, ok, je te clique là, les pouces. Peine à n'en rien à faire difficile, là, sa application là. Ok, qui bon Dieu, les bénisse abondamment.